dans ma langue maternelle. Yeah.
God is powerful. Thank you.
faut m'embêter. À mon sens, ça veut dire que je suis devenu esclave. C'est toi qui m'as choisi, je suis devenu ton esclave. Je m'en vais où tu veux que je sois. C'est comme pour Paul pouvait dire. Hein. Oui, c'est-à-dire je n'ai plus de décision. Je ne peux plus décider à ma place et de faire plus ce que je veux. C'est comme 1 Corinthiens 9, verset 16. Annoncer l'évangile est plus nécessaire, malheur, annoncer l'évangile. Tiens, ne pas l'évangile. C'est profond. Oui, mais embêter, c'est encore plus. C'est-à-dire, celui qui t'entend, il sait. C'est-à-dire, tu vas sans issue. C'est-à-dire, tu t'en vas seulement, il n'y a plus de machin. Tu n'as pas de vie, en fait. Oui, tu n'as plus de vie. C'est comme moi, il n'y a pas de vie. Moi, même quand je me lève le matin dans la douche, c'est ce que je chante. Je vais dire, mais quel est ton programme pour moi? C'est vrai, il n'y a pas de bien. Je dors tard. Souvent, je fais grâce matinée, mais on est dedans. Je n'ai plus de vie. C'est pas ça. Ni café matinée. Thank you.
de temps de louange. Le peuple était, vous savez, des hommes. D'abord chanter. Nous, on chante. Et la louange, c'est la chose qui attire la chose. C'est pour ça que Dieu aimait David. Parce qu'il savait louer. Et la louange, c'est quelque chose de très important. Je nous répéter, quand tu fais quelqu'un, tu chantes. Tu es heureux qu'il chante. C'est ça. Et l'expression ayoka, ayo, honneur, malheur, ayo. Il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de honneur. C'est ça, quand tu rentres dans un village d'été, vers 4h du matin, quand tu commences à chanter, tout le monde sort. Descend, parle avec les gens. Un correcteur
le chapitre 9, verset 16. Annoncer l'évangile, mais une nécessité. Mais pas un sujet de gloire. Mais une nécessité qui m'a été posée. Donc ça veut dire chaque jour que je dois prêcher. Je dis malheur à moi si je ne parle pas de Jésus. Si je ne prêche pas Jésus. Parce que l'apôtre Paul sait tous les points. Dieu l'a dit, Jésus l'a révélé. Chacun d'entre nous a une histoire. Donc Christ nous appelle pour le servir. Ça, c'est pas un débat. Jésus a besoin de mon Sénégal, je suis au Sénégal. Il aura besoin de mon Bénin, c'est mon Bénin. Il aura besoin de mon Mali, c'est mon Mali. Il aura besoin de moi. Jésus.
Thank you.
C'est comme ça, mon frère. Il faut aimer le Seigneur, il faut le servir. Amen. Chacun a une grâce particulière. Il dit allez partout, le monde, partout, le monde, partout. Et fait des nations et d'ici. Partout, le monde, partout. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le monde entier aujourd'hui, en train de. Aujourd'hui, au 21 siècle, nous sommes en train de voir une deuxième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale, je suis préparé. Ben, c'est des grands signes annonçateurs de retour de Christ. Qu'est-ce qu'on fait en début? Là, jouer la star mania. On est plus star, frère. Nous sommes les prédicateurs de Dieu. Il faut que tout le monde comprenne ça. Maintenant, on est pour comprendre que tu es prédicateur. Je suis prédicateur de Dieu. Voilà. Tu dois prêcher Jésus. On nous va. La chanson t'a mis à la fin. La dernière fois. Les chansons pour un. Le programme à la fin, là, j'ai mis les chansons. C'est oublié. Je couille un mec. Oui, oui, effectivement, c'est ça. C'est ça. C'est quoi, maman? Ok, mais c'est ça. Oui.
Le chemin, la vérité, la vie. Sans lui, en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Shalom.